une fois de plus, j'ai le plaisir, au nom de Yadpa, la maison d'édition de la division interaméricaine, d'ouvrir cette nouvelle session de formation et de vous souhaiter à tous la bienvenue à ce programme. Je suis heureux de continuer à soutenir cet événement après notre premier programme tant réussi, qui a certainement apporté et même dépassé les attentes. C'est pour nous un privilège de continuer à procurer des ressources précieuses à nos parents, de contribuer au séminaire au matériel nécessaire à la tâche difficile et irremplaçable d'amener nos enfants au pied de Jésus. Je ne peux pas laisser passer cette occasion de remercier Dinora Rivera, la directrice du ministère des enfants de la division interaméricaine, pour son soutien, son engagement total dans le développement de ces programmes. Nous savons que la seule façon de réussir dans ce genre d'initiative, c'est de travailler tous ensemble, de collaborer au niveau de toutes les institutions et départements de l'Église Adventiste, travaillant pour servir les enfants de l'Interamérique. Encore une fois, je veux seulement laisser dans votre esprit un texte biblique, parole du divin maître, notre Sauveur Jésus-Christ, enregistré dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, où dès le début du chapitre, il se réfère à un enfant. Mais je ne prendrai pour réflexion que le verset 10 de la version révisée à la colombe. Nous lisons. Veillez à ne pas mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient toujours le visage de mon Père qui est dans les cieux. D'autres versions utilisent le verbe négliger, veillez à ne pas mépriser, veillez à ne pas négliger. Ne négligez pas. Il est clair, il y a deux choses. Premièrement, c'est notre responsabilité dans le soin et l'attention aux enfants. Et deuxièmement, la certitude que Dieu et les anges prennent soin d'eux. J'espère qu'à l'instant du premier programme, celui-ci nous remplira d'un enseignement sain et que toutes les préparations faites pour cet événement, les heures investies, le temps précieux de la personne qui présentera la partie centrale et tous ceux-là qui participeront, mais surtout ceux-là qui nous voient, feront de ce programme un événement très spécial et ce sera certainement un temps très bien utilisé au cours duquel, ensemble, nous apprendrons, guidés par un spécialiste, des questions du comportement humain. La partie centrale du programme sera sous la responsabilité du Dr Carlos Fayard, professeur de psychiatrie, directeur du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé à l'époque. École de médecine de l'Université de Loma Linda. Dr. Fayard a eu la gentillesse de nous accorder un espace dans son emploi du temps très chargé, nous donnant l'opportunité d'apprendre en matière de lecture quelle est la meilleure option, un livre imprimé ou numérique, avec toutes les connaissances et expériences qui imprégneront certainement l'esprit de ceux qui participent à ce programme, avec des idées claires, professionnelles et actuelles en cette période difficile que nous avons dû vivre, tous en bénéficieront. Profitez donc des minutes qui vont suivre. Et merci encore une fois pour la distinction que vous nous faites de participer à cet événement pédagogique. Rappelons-nous que nos enfants doivent être traités avec le plus grand soin, la plus grande diligence et qu'ils représentent l'avenir de notre société, l'avenir de notre Église, l'avenir de notre monde. Et ils sont le principal trésor de Dieu. Que Dieu bénisse ce programme et tous ses participants et qu'ensemble, nous puissions accomplir cette tâche vitale. Pour commencer ce programme, je vous invite, là où vous êtes, à me joindre en prière. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de participer à ce programme. Aide-nous à vraiment chérir et mettre en pratique
tous les bons conseils que nous allons recevoir aujourd'hui au bénéfice des enfants de notre Église. Bénis chaque foyer, chaque parent et chaque éducateur, ceux qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu nous joindre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à nous joindre pour notre prochain événement spécial qui aura lieu le samedi 22 mai à 4 heures de l'après-midi, heure de Miami. Nos invités spéciales seront Dr. Kay Kuzma et Dr. Christine Guillon. Dr. Kuzma est l'auteur d'une variété de livres tels que SOS, comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants, qui a été publié en français, anglais et espagnol par les éditions Yadba. Dr. Kuzma est titulaire d'un doctorat en éducation et a participé à des émissions radiophoniques et télévisées sur la pédagogie, la vie de famille et l'éducation des parents. Quant à Dr. Christine Guillon, elle a plus de 20 ans d'expérience comme professionnelle de la petite enfance. Et elle est la fondatrice de Young Child Ministries, ministère des jeunes enfants. Pendant des années, elle a été une rédactrice du matériel de l'école du sabbat pour enfants à la Conférence générale des Adventistes du septième jour. Nous vous attendons donc le samedi 22 mai. À bientôt! Le département des ministères auprès des enfants et des adolescents de la division interaméricaine se réjouit de voir qu'une fois de plus, notre maison d'édition YADPA a préparé un programme spécial au bénéfice des enfants et des adolescents de la division. Durant le programme précédent, nous avons discuté comment, en tant que parents, nous pouvons aider les enfants à gérer leurs émotions. Et aujourd'hui, notre invité spécial est un expert qui va parler d'un très important et pertinent sujet. Une question que l'on pose aujourd'hui est, qu'est-ce qui est meilleur pour la lecture des enfants en général? Les livres imprimés ou les livres numériques? Selon diverses recherches et études récentes, les livres imprimés sont bien meilleurs pour les enfants, puisque la lecture de livres numériques ne contribue pas de la même manière au fonctionnement de notre cerveau. Avec un livre imprimé, nous pouvons vraiment apprécier la lecture. Lire un livre imprimé aide notre concentration et nous donne une saine option pour calmer un enfant et qu'il soit occupé à une activité constructive et distrayante. Avec un livre imprimé, nous pouvons vraiment bénéficier de la lecture. Nous pouvons physiquement tourner les pages, nous pouvons voir et toucher les illustrations. Même l'odeur à encre peut nous rappeler tant de choses que nous avons apprises dans le passé. Et c'est si bon de pouvoir lire les livres avec nos enfants, de passer de bons moments ensemble et de pouvoir les aider à réduire leur stress, à améliorer leur concentration. Contrairement aux livres numériques qui peuvent augmenter l'anxiété et encourager l'impatience et le manque de concentration. Mais nous avons un expert qui ira en profondeur sur le sujet. Donc, parents et éducateurs, profitez de ce programme, écoutez avec attention et mettez en pratique les conseils que vous recevrez aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
Chers amis, bienvenue au deuxième programme consacré aux parents et éducateurs. Nous vous accueillons à notre programme cet après-midi. Ce programme est diffusé dans les trois langues principales d'Interamérique, espagnol, français et anglais. Avant de commencer notre interview, veuillez nous aider à atteindre le plus grand nombre possible de personnes en les invitant, car le sujet traité est du plus grand intérêt. De plus, l'équipe de YADPA est prête à répondre à toutes vos questions sur Facebook ou YouTube. Alors, commençons. Notre sujet est d'une très grande importance, vitale pour la formation des enfants que nous voulons voir grandir dans l'amour de Jésus. Nous parlons aujourd'hui de la lecture dans l'enfance. Et dans ce but, nous avons un invité bien spécial, le docteur Carlos Fayar. Le docteur Fayar est actuellement professeur en psychologie, psychiatrie et directeur du Centre de coopération avec l'Organisation mondiale de la santé à la faculté de médecine de l'Université Loma Linda. Il est aussi directeur adjoint du département de santé mentale de la Conférence générale des adventistes du septième jour. Alors, docteur Fayar, bienvenue au territoire interaméricain. Un grand merci d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Merci beaucoup, Christelle. J'ai déjà eu à plusieurs reprises l'opportunité de visiter la division interaméricaine. J'ai sollicité d'en devenir un membre d'honneur, privilège non encore octroyé jusqu'ici. Oui, d'accord. Après notre interview, nous vous ferons membre honoraire de la DIA. C'est pour moi un véritable plaisir d'être en votre compagnie en cette occasion. Je me rappelle que ma famille a été très impliquée dans l'œuvre des publications. Mon oncle Marcel, un auteur prolifique, a écrit plusieurs livres publiés et distribués dans tout le territoire de la division interaméricaine pendant plus de 80 ans. Ma mère a travaillé à la maison des publications de la division sud-américaine comme éditrice de revues. Elle a écrit plusieurs petits bouquins que YADPA distribue encore dans cette division. Mon père voulait que je devienne un écrivain et très tôt me mis en contact avec la littérature. Malheureusement, mais laissez-moi de préférence aller tout droit au motif de ma présence ici aujourd'hui. Je réitère que ceci est pour moi un honneur et un immense plaisir. Au sein de ma famille, il y a toujours eu un engouement spécial pour les livres. Docteur, je suis très content de voir tous les livres arrangés sur vos étagères. Il est clair que vous privilégiez la lecture. Docteur, nous vous avons invité dans le but de comprendre l'importance de la lecture dans l'enfance. Docteur, quelle place importante occupe la lecture dans le développement psychologique des enfants pendant leur croissance? Rien qu'en ouvrant les yeux chaque matin, on se rend compte que la vie sur cette planète, en ce moment précis de l'histoire, la vie est impossible sans un contact intime avec la lecture. Il faudrait aller très loin aujourd'hui dans des endroits vraiment retirés, obscurs, pour trouver une civilisation vivant sans lecture. Et ici, il existe des mécanismes intéressants de communication à travers la lecture. Ceci est particulièrement vrai et authentique en ce qui concerne précisément les enfants, car non seulement la lecture contribue au développement personnel, ouvre l'esprit, mais ouvre le cerveau lui-même, et contribue au développement intellectuel, à l'épanouissement professionnel, au développement du vocabulaire de l'enfant en matière de communication. La lecture contribue aussi au développement social de l'enfant. Comment? Parce qu'en lisant, non seulement on lit des mots, des phrases, des pages, mais on est transporté en des endroits qu'on n'a jamais visités, tout à fait inconnu, que l'on voit en imagination et au-delà même de notre imagination. Des investigations ont montré que la lecture est non seulement bénéfique au développement cognitif, professionnel, intellectuel, social, émotionnel de l'enfant, mais les enfants qui lisent bénéficient également
de mécanismes de contrôle du stress, de réduction du stress et d'autres indicateurs de santé en conjonction avec des activités de manière balancée impliquant d'autres aspects de la vie. Wow, docteur, je ne savais pas que la lecture contribue à réduire le stress chez les enfants. Et surtout, à notre époque, quand nous constatons que le stress, la dépression chez les enfants sont de plus en plus courants. Effectivement, le mécanisme physiologique dont il est question ici implique des activités diverses, balancées, qui sont d'ordre physique, activités spirituelles, autres activités intellectuelles et sociales. Cette vie équilibrée permet à l'enfant de se concentrer, de découvrir un monde nouveau, un monde différent, voir son esprit capable de s'ouvrir, de s'étendre. Il lui permet d'identifier dans sa lecture des personnages, des phénomènes, des scènes, des personnages à caractère positif avec lesquels il peut s'identifier et qu'il peut imiter dans une certaine mesure, pouvant lui servir de modèle dans son monde. Et en s'identifiant à ces modèles, cette connexion que nous voulons positive peut influer sa vie. Docteur, vous soulignez l'effet des valeurs positives sur les enfants. Donc, il est essentiel que les parents et éducateurs cherchent des modèles positifs pour les enfants afin qu'ils soient submergés, comme vous le dites, dans ce monde qui aura un impact positif sur eux. Les livres qui présentent la vie et les enseignements de Jésus auront certainement un effet positif. Docteur, à quel âge suggérez-vous qu'il faut introduire la lecture dans la vie des enfants? Selon l'avis de l'Académie américaine de pédiatrie, il n'existe pas un modèle universel applicable à tous en général. Cependant, la recommandation est que les parents commencent à lire aux enfants dès l'âge de 4 mois. Ceci non seulement stimulera les mécanismes de développement intellectuel mentionnés auparavant, mais établira également une connexion entre le père, la mère et l'enfant qui écoute. J'ai à l'esprit un souvenir très plaisant, ne remontant certainement à 4 mois d'âge. Mais rappelez-vous que vous avez parlé de mon père qui était vendeur. Dans son travail, il passait parfois plusieurs semaines à l'extérieur. Et quand il était né en France et le français était sa langue natale. À chaque fois qu'il rentrait de voyage, il voulut de toutes ses forces m'enseigner le français. Il n'a pas réussi. Mais je me rappelle toutefois comment en rentrant, il me plaçait sur ses genoux, m'enseignait des hymnes en français. Je n'ai jamais rien retenu de ces cantiques, mais ce que je n'ai jamais oublié, ce sont les moments agréables, les contacts que j'ai eus ici avec lui, que j'ai passé en sa compagnie, qui ont développé et nourri des relations très solides entre lui et moi. En introduisant la lecture, non de manière isolée, sinon en association, en conjonction avec ses contacts émotionnels, cela a transformé ce qui pouvait être une activité ennuyeuse en une suite interrompue d'interactions faisant partie de la vie normale, renforçant les liens d'affection familiale et contribuant au développement social émotionnel. Et à mesure que quoi l'enfant, les parents peuvent continuer à renforcer ces liens familiaux. Il faut commencer tôt avec eux. Je me souviens quand mes enfants étaient petits, je leur lisais, mon épouse aussi leur lisait le soir. Et si une fois nous étions fatigués, occupés ou essayons d'échapper, nos enfants nous faisaient savoir que c'était devenu une obligation traditionnelle importante. Il fallait lire avec eux. Ce docteur, j'apprécie le fait que vous avez partagé avec nous les souvenirs de votre enfance et de vos enfants vivant une autre époque, mais maintenant que les enfants naissent dans un monde hyper numérisé, nous avons les livres physiques, les livres électroniques. Quelle est votre recommandation concernant le cerveau de l'enfant? Est-il mature pour utiliser le livre numérisé? Commencer la lecture dès que l'enfant a 4 mois. Mais peut-on imaginer un parent qui utilise la tablette avec un bébé
Quelles sont vos recommandations à ce sujet? Ce que tu dis est tout à fait exact. Avec mon épouse, nous avons eu l'opportunité de faire un séjour en Chine pendant une période de 5 semaines à la fin de l'année 2019. Nous ne faisions pas du tourisme car mon épouse avait un travail à faire là-bas. Nous sommes allés avec quelqu'un qui connaissait l'endroit dans un quartier souterrain de Shanghai, puis de Pékin ou Beijing. Et quelque chose a attiré fortement mon attention. C'est que, bien qu'ici aux États-Unis, on trouve un peu de cela, mais en Chine, c'est tout à fait extraordinaire. Tout le monde a un portable en main. Ils étaient ensemble. Ils se parlaient rarement. La chose la plus incroyable encore, le plus étonnant, fut de voir plusieurs enfants avec des bébés et des enfants, j'ai vu un enfant d'environ 12 à 18 mois avec son portable. Je me souviens un incident qui se déroule en notre présence. Nous étions dans l'un de ces lieux historiques et une famille avait un enfant d'environ 4 ans dans sa poussette. Les parents lui enlevèrent la tablette qu'il avait en main. Nous étions à distance, mais nous pouvions entendre et voir l'enfant contrarié faire une scène épouvantable. Comme tu dis, des enfants en bas âge dans leur petite poussette, un an et demi, avec un dispositif électronique en main. Définitivement, le monde aujourd'hui est différent avec des paramètres différents de vie. Ta question est, leur cerveau est-il préparé pour cette interaction digitale? La réponse est à la fois oui et non. Oui, le cerveau est naturellement préparé pour gérer toute information, quelle que soit sa source ou sa nature. En ce sens, la réponse est oui. Mais définitivement, l'objectif du Créateur est d'exposer l'enfant nouveau-né d'abord à une interaction physique avec un autre être humain, à la distance idéale séparant les yeux de l'enfant nouveau-né avec, entre les yeux de l'enfant et les yeux de sa mère qui le tient. Clairement, le dessein de Dieu est d'établir d'abord ce contact humain physique, émotionnel, puis le contact avec la nature. Alors, quelles sont les difficultés qui surgissent dans l'interaction digitale? Attendez un moment. J'ai ici des données exactes à ce sujet. Je vais essayer de les trouver. Attendez. Je cherche. Bon, ce que nous savons, c'est que l'enfant n'apprend pas très bien de l'écran. Non. L'apprentissage à partir de l'écran n'est pas idéal. Pourquoi? À cause de la quantité simultanée de stimulation impliquée. Il y a également d'autres facteurs en jeu, comme nous l'avons constaté avec la pandémie du COVID-19. Les établissements scolaires, en grande partie, sont devenus entièrement digitalisés. Qu'entendons-nous? L'enfant est censé être en interaction avec l'instructeur en ligne, mais plusieurs, bien que présents sur l'écran, sont en même temps occupés avec un autre dispositif, sur YouTube, leur téléphone branché sur YouTube ou autre chose. Ceci constitue une distraction incontrôlable, interférant profondément avec le développement du cerveau, la formation du cerveau. Laissez-moi faire ici un pas en arrière. L'enfant est directement influencé par ce à quoi il est exposé dans son environnement. Ainsi, le cerveau s'adapte progressivement à ces éléments d'information. Et en même temps, la multiplicité de stimulations cause une attention divisée qui affecte la concentration, réduit la discipline. Et je ne sais pas si tu as vu la publicité de Amazon pour vendre le programme Alexa. Il y a une enfant qui étudie à propos du volcan le Vésuve en Italie. L'enfant demande donc à son père, assis tout près,
Papa, quel volcan fit éruption en Italie? Le père ne savait pas, il parut un peu désorienté. Alors la fillette demanda à son appareil Alexa, quel volcan connut une éruption en Italie? Alexa répondit, le Vésuve. La publicité voulait être humoristique, mais en réalité, ce tapon digital réduit l'effort intellectuel et affecte la réalité, affecte la discipline. Que se passe-t-il d'autre? Écouter fait partie du processus de traitement de l'information. L'enfant doit donc pouvoir écouter pour recevoir et traiter l'information qu'il a entendue. Dans mon cas, quand je lis, qu'est-ce que je fais? Je souligne, je relis, je prends des notes, ce qui m'aide dans le traitement de l'information sur laquelle je travaille en la lisant visuellement, l'incorporer dans ma pensée et en la soulignant et en la notant, qui est un facteur moteur. Ceci fait ressortir certains aspects importants de ce que je lis. Il y a donc un impact suprêmement important sur le cerveau. Voilà, j'ai trouvé. Une étude montrant les avantages et les désavantages de la lecture physique et de la lecture digitale. Le premier et plus grand avantage de la lecture digitale est naturellement sa portabilité, sa mobilité. Je peux voyager avec toute une bibliothèque dans ma tablette et même une encyclopédie. L'avantage de l'espace. Et je peux relire, avoir accès direct, instantané. Mais les plus grands désavantages de l'étude digitale dévoilés par l'étude sont, elles génèrent moins de compréhension, il y a une participation de plus en plus réduite des parents, et puis, il y a un autre facteur, l'exposition excessive à la lumière pour ces enfants qui restent en face de l'écran de leur tablette ou de leur téléphone à des heures avancées de la nuit. Une interférence non négligeable avec le sommeil. Le fait de ne pas écrire, de ne pas souligner, de ne pas annoter affecte la mémorisation, la coordination. On veut par exemple taper 50 mots versus écrire 5 mots. Ceci ne modifie pas le temps de traitement de l'information. L'important reste le temps de traitement de l'information. Il existe aussi, avec les livres électroniques, une série de désavantages pour l'éducation. Nous n'avons même pas parlé du fait que ceci est un portail donnant accès à des situations diverses, compliquées. Docteur, vous mentionnez que les tout-petits font leur crise quand les parents essayent de leur enlever l'écran. C'est quelque chose de très courant. Nous voyons combien les parents ont du mal d'arrêter les images de l'écran quand les enfants passent des heures avec l'appareil électronique. Nous savons que ceci cause l'addiction. Et c'est la autre question. Une question qu'il faut poser, si nous encourageons les enfants à lire, s'amuser ou étudier sur l'ordinateur, ils passent beaucoup de temps sur l'ordi. Est-ce que nous ne les poussons pas aussi à l'addiction électronique? Certainement, ce problème que tu signales existe. Quand tu m'as contacté au sujet de cette entrevue, j'ai tout de suite identifié dans mes archives, en tant que psychologue clinique, deux cas en particulier. Ces deux cas récents, deux jeunes garçons. Le premier, celui est un jeune garçon de 15 à 16 ans quand il est venu me voir, mais ses parents l'ont emmené. À 12 ans, il a commencé à s'attacher aux jeux vidéo. À 13 ans, il consacre déjà plus de temps à ces jeux qu'à toute autre activité. Ses parents n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ce sont deux professionnels bien éduqués, mais qui ignorent ce qui se passe, qui accordent liberté et confiance aux jeunes garçons. Et à 13 ans, sa performance scolaire commence à se détériorer. Il développe des problèmes académiques de plus en plus sérieux. À 14 ans, il est obèse.
Ils souffrent d'isolement dépressif, se sentent détachés progressivement davantage, de plus en plus chaque jour de ses parents, et commencent à développer des idées suicidaires. Les deux sont hispanophones. Le second est un jeune garçon que j'ai vu à l'âge de 19 ans. À 16 ans, il augmente de manière brusquement, de manière significative, son utilisation d'Internet et commence avec la pornographie. Quand nous parlons à beaucoup d'adolescents aujourd'hui, avec ou sans problème, il est clairement démontré que la consommation de pornographie est particulièrement élevée, particulièrement chez les jeunes garçons. Ce jeune, avec son usage accru de pornographie, il n'est même pas devenu dépendant, mais il s'engage dans d'autres activités à risque. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il va à la pornographie, et de la pornographie, il est passé à la consommation d'images de violence. Puis, il passe au satanisme. Je parle du satanisme, il était catholique. Il existe une progression qui est ainsi facilitée par l'accès au matériel digital et qui n'existe pas avec les limites physiques. Telles sont les choses. Que faire? Ben, nous ne disons pas qu'il faille éliminer l'éducation digitale. Non, ce serait irréel. C'est la vie moderne. Mais l'usage non supervisé et sans limite de l'Internet, quand nous ne savons pas ce que regarde l'enfant ni ce qu'il consomme, facilite son cheminement vers des attitudes et des comportements à caractère addictif, tels que l'addiction aux jeux vidéo et la pornographie. L'addiction aux jeux vidéo est identifiée par l'Organisation mondiale de la santé comme un diagnostic similaire à la dépendance de l'alcool. Oh là là, pensez que cette addiction aux jeux vidéo ou aux appareils électroniques peut se comparer à cette terrible addiction à l'alcoolisme, par exemple. C'est fou! Pour enrichir cette interview, nous aurons maintenant un deuxième invité, le professeur Oscar Rodriguez, directeur adjoint de notre collège adventiste local, Greater Miami Academy. Il va nous parler de la manière de trouver l'équilibre entre le numérique ou le réel pour les travaux scolaires. Avant de donner la parole au professeur Rodriguez, je vais faire une pause pour passer une bande annonce. Cherchez-vous du matériel qui vous donnera quelques idées créatives afin que les enfants soient plus heureux? Nous vous offrons une réponse. Nous revenons tout de suite. Nous vous présentons une ressource nécessaire pour les mamans et les papas. Un ouvrage pour améliorer la communication dans la famille et l'interaction des parents avec leurs enfants par le pasteur Fernando Zavala. Des idées inestimables sur la communication avec les adolescents ainsi que sur le dialogue entre parents et enfants qui s'avère toujours bénéfique. Comment les parents peuvent construire des ponts et non des barrières dans leurs relations avec leurs enfants? Comment contrôler l'influence médiatique et d'Internet? L'art de résoudre les conflits avec les enfants. Vous trouverez tout cela et plus encore dans le livre « Écoute, j'ai quelque chose à te dire » de pasteur Fernando Zavala. Et voilà, nous sommes de retour. Bienvenue au professeur Oscar Rodriguez, directeur adjoint du Collège Adventiste local. Bonjour, professeur. Bon après-midi et bon sabbat. Merci beaucoup de cette opportunité. Nous allons bien, grâce à Dieu. Mais plus cordiales salutations à l'auditoire de la Division interaméricaine qui nous observe et nous écoute maintenant. Que le Seigneur vous bénisse tous. I would like to say hi to those members or to those that are watching from the Inter-American Division, and may God bless you.
Nous vous avons invité, professeur, pour vous poser quelques questions au sujet de la lecture pour les enfants. Mais j'ai quelques questions intéressantes à vous poser puisque vous êtes éducateur. Pendant cette période de pandémie, presque toutes les écoles ont adopté à 100% la plateforme numérique pour l'enseignement. Considérez-vous que les livres physiques ne sont plus pertinents? C'est une très bonne question. En tant qu'éducateur, à la lumière de mes 30 années d'expérience, je peux dire sans embâche que les livres ont toujours eu, ont encore et auront toujours leur place dans notre société. De nos jours, surtout avec 86% d'alphabétisation dans notre monde, il y a un défi significatif à maintenir un équilibre, une balance entre les livres électroniques et les livres imprimés. Toutefois, une étude conduite par l'Université de Michigan a récemment démontré que lorsque les parents lisent avec leurs enfants en bas âge particulièrement, ayant atteint l'âge de lire et tournent avec eux les pages de l'ouvrage, cela a un impact positif évident sur le développement tant de leurs capacités motrices que de leurs aptitudes linguistiques. Professeur, quels conseils donneriez-vous aux parents qui recherchent des écoles totalement numériques? Parce que, globalement, nous assimilons les progrès technologiques avec ce qu'il y a de meilleur, et c'est ce que nous désirons tous pour nos enfants. Que diriez-vous à ces parents? C'est précisément la nouvelle mode, et apparemment une mode universellement recherchée. Il est cependant important que les parents qui m'écoutent prennent le temps d'investiguer. Particulièrement en tant que parents responsables, il est impérieux d'investiguer, de nous informer sur tout cela, afin d'être guidés dans nos décisions à ce sujet. La raison pour laquelle je m'exprime ainsi est simple. Tout à l'heure, j'ai parlé d'enfants en très bas âge, mais il a été également découvert dans des études plus avancées que les enfants de niveau primaire, intermédiaire et même secondaire ont une faculté de mémorisation plus élevée en lisant une page imprimée qu'en lisant à partir d'un dispositif électronique comme une tablette. Ce sont des informations d'extrême importance pour nous, parents et éducateurs, qu'il nous faut rechercher avec diligence afin de nous aider à prendre de meilleures décisions éventuelles. Dans mon expérience personnelle, je crois qu'il nous faut nous informer, particulièrement les jeunes que j'ai eus pendant mes années de formation. Plusieurs m'ont indiqué de manière surprenante qu'ils préfèrent un livre physique imprimé à un ouvrage en ligne digital. Je le répète, il est donc très important que nous lisions, je le dis dans un esprit de prière, pour que nous accédions à l'information correcte afin de prendre avec sagesse nos décisions pour l'éducation de nos enfants. Professeur, en tant qu'administrateur, comment serait l'école idéale selon vous? L'école idéale est celle... C'est celle qui combine de manière adéquate les deux systèmes avec leurs ressources respectives, tant les livres imprimés que le matériel électronique, gardant particulièrement à l'esprit l'importance de donner la priorité au matériel physique, à la page imprimée, pour les trois principales raisons que nous avons mentionnées. Un, des études ont révélé que des étudiants font une meilleure rétention d'informations de la lecture d'ouvrages physiques que d'un matériel digital. Deuxièmement, le facteur additionnel de la possibilité de dépendance ou d'addiction généralement associée aux dispositifs électroniques. Ceci est connu. Troisièmement, ce troisième élément, cette sorte d'interaction, de lien entre le livre et la personne, un genre d'attachement même un peu affectif selon la nature de l'ouvrage généré par un livre physique imprimé.
Ceci, à ma surprise, a été mentionné par les étudiants de notre académie qui les préfèrent pour cette raison avec la possibilité de les souligner, de les annoter, de sorte que combiner les deux systèmes est la clé réelle. Mais mon opinion personnelle va vers l'idée primordiale de maintenir cette tradition basée sur les études scientifiques, psychologiques qui ont été conduites dans ce domaine. Et prendre une décision basée sur l'information disponible. Merci beaucoup, professeur Oscar, de votre contribution à cette discussion avec nous. Merci. Merci à tous. Bonsoir à tous. J'ai eu le plaisir de partager ce moment exceptionnel avec la division interaméricaine, IADPAS, de manière spécifique. Que Dieu vous bénisse tous. Et je m'exprime maintenant à nouveau pour présenter mes remerciements à IADPA et à la division interaméricaine. De retour avec le Dr Fayard, j'ai écouté avec un grand intérêt ce que nous a dit l'administrateur qui doit en ce moment même gérer cette situation et les changements que nous constatons. Docteur Fayard, est-ce que Madame White parle de la lecture pendant la période de l'enfance? Est-ce qu'elle recommande certaines choses sans bien sûr mentionner l'électronique qui n'existait pas à son époque? Mais est-ce qu'il y a certaines recommandations? Je ne sais pas s'il existe dans ces écrits un conseil spécifique à ce sujet. Je veux seulement partager ici une citation de l'ouvrage Espoir de l'humanité ou Jésus-Christ, dans laquelle elle met l'accent sur la manière dont Jésus fut éduqué, fut instruit. Nous lisons ceci. Le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant Jésus se montrait particulièrement aimable. Il était toujours prêt à se mettre au service des autres. Rien ne pouvait lasser sa patience et sa véracité était incorruptible. Dès les temps les plus reculés, les Israélites fidèles avaient donné les plus grands soins à l'instruction de la jeunesse. Le Seigneur avait ordonné que dès la plus tendre enfance, on fût instruit au sujet de sa bonté, de sa grandeur, telles qu'elles sont révélées plus particulièrement dans sa loi et illustrées par l'histoire d'Israël. Voici la partie sur laquelle je veux attirer l'attention. Le chant, la prière et l'enseignement des Écritures devaient s'adapter aux jeunes intelligences. Pères et mères devaient enseigner à leurs enfants que la loi de Dieu est l'expression de son caractère et que c'est en recevant dans le cœur les principes de la loi qu'on reproduit en soi-même l'image de Dieu. Mais les maîtres juifs s'occupaient surtout des cérémonies. On encombrait l'esprit de matériaux inutiles jugés sans valeur dans l'école supérieure du ciel. Et ce système d'éducation ne laissait point de place pour l'expérience que l'on obtient en acceptant personnellement la parole de Dieu. Les élèves retenus dans un engrenage de choses extérieures ne trouvaient pas le temps nécessaire à la communion avec Dieu. Ce n'est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. Sa mère fut sa première institutrice terrestre. De ses lèvres et des rouleaux des prophètes, il recueillit la reconnaissance des choses divines. Ce que j'ai surtout voulu souligner, c'est le contexte. Et cela va plus loin que de simplement dire que la Moïse a écrit ou a déclaré que la lecture est importante. Naturellement, elle fut écrivain et lui demander de le dire, ce serait comme demander à un plombier si la plomberie est importante. Logiquement, la lecture est importante. J'ai voulu contextualiser justement comment, dans le modèle central de la vie du chrétien, comme dans celle de Jésus, cela fut introduit comme un processus normal. L'éducation sert ainsi au développement du caractère, procurant la capacité d'interagir avec et de servir autrui. Avec un téléphone constamment en main, cela est impossible. On oublie carrément le reste du monde enfermé égoïstement dans son propre univers. Effectivement, les parents de Jésus étudiaient avec lui.
Et la lecture des rouleaux des prophètes et du reste des Écritures lui procurait des enseignements à appliquer dans sa vie personnelle et servait à l'édification de son caractère. Il faut reconnaître, Dr. Fayard, que ceci touche aussi les adultes. Nous sommes tellement pris par notre mobile que parfois nous n'avons pas conscience de ce qui se passe autour de nous. Si c'est donc un problème chez les adultes, à plus forte raison chez les enfants, qui ont plus de mal à se concentrer. Vous avez attiré mon attention en lisant le passage de l'Esprit de prophétie qui dit que Marie lisait à Jésus le texte des rouleaux des prophètes et qu'il recueillait de ses lèvres la connaissance des choses divines. Ceci souligne bien l'importance des parents en tant que premier éducateur de nos enfants et des moments de partage très riches entre enfants et parents. Mais je ne veux pas terminer cette interview sans vous poser la question suivante. Quel conseil pouvez-vous donner aux parents et aux éducateurs, non seulement sur leur rôle en tant que chrétien parents, mais en ce qui concerne la psychologie que vous mettez en pratique dans le cas de centaines d'enfants que vous voyez. Que pouvez-vous dire sur le sujet de la lecture pendant l'enfance? Premièrement, ils ont intérêt à commencer très tôt. Sinon, ils perdront une opportunité en or de bien guider leurs enfants dès leur plus tendre enfance. Et perdront chaque jour davantage de terrain devant la pression des amis, l'influence environnante qui nous pousse irrémédiablement vers le monde technologique, digital et ses défis. Si on ne commence pas très tôt et ne prêchons pas par l'exemple, on perd rapidement du terrain dans ce domaine. Dès que l'enfant va à l'école maternelle, puis passe au niveau primaire, on commence à perdre la possibilité d'avoir l'influence positive désirée. Mon deuxième conseil, c'est de chercher à faire un usage approprié du matériel digital. À la vérité, il est utopique et même rétrograde de vouloir s'en défaire pour vivre comme dans une cave. Il faut donc commencer à chercher comment partager les mêmes activités que l'enfant, utilisant la technologie, que comme par exemple pour des activités physiques, de l'exercice en commun, de l'exercice ensemble. On peut également trouver des programmes digitaux à regarder avec l'enfant pour passer du temps à dialoguer et en profiter pour renforcer la communication au lieu d'avoir chacun ses programmes favoris puis chacun va de son côté. Une autre possibilité est d'utiliser des dispositifs digitaux pour l'apprentissage. Le conseil de l'Académie américaine de pédiatrie est de limiter le temps que les enfants d'âge préscolaire passent devant leur écran, comme 1 heure par semaine et 3 en fin de semaine, jamais tout seul, et surtout avec un peu de matériel éducatif. Il faut également que ce soit un moyen pour passer du temps ensemble, l'interaction émotionnelle et sociale. Il faut également s'assurer de savoir ce que regarde l'enfant, car de nos jours, les enfants nous dépassent dans la manière de faire des choses répréhensibles et de nous les cacher. Un exemple personnel à ce sujet. Notre fils, aujourd'hui médecin, neurologue, quand il faisait ses études prémédicales, il avait pris une concentration en informatique et nous lui demandions souvent de nous aider. Il répliquait toujours « Ah, ok », en faisant souvent le fanfaron. La réalité est qu'il est important, nous, les parents, de nous former afin de pouvoir partager leur compagnie de manière pratique. Plus important encore, il faut commencer très tôt à établir avec nos enfants des relations ouvertes, fluides, honnêtes, incorporant le monde digital dans ces relations, de la même manière que Marie incorporait les saintes écritures, les rouleaux prophétiques dans ses relations avec le Christ et ses enseignements en général. Un grand merci, Dr. Fayard, pour les moments que vous nous avez consacrés et pour les conseils si utiles que vous avez partagés avec nos parents et éducateurs.
Avant de terminer, je veux dire aux amis qui nous écoutent que le Dr Fayard nous fait l'honneur d'utiliser notre maison d'édition pour publier un ouvrage dont le titre pourrait même lui le surprendre, car je ne suis pas sûre qu'il connaît le titre final, Un cœur tranquille. Le livre n'est pas encore disponible, mais pouvez-vous nous parler un peu du sujet de ce livre qui est encore en cours d'édition? Écoutons, quel est le sujet qui est traité dans ce livre? Je vous remercie sincèrement de cette modification du titre de l'ouvrage. Nous vivons une époque où effectivement une profonde anxiété remplit les cœurs autour de nous. Plusieurs personnes pour plusieurs raisons. Jésus eut à dire aux disciples et à nous que votre cœur ne se trouble point. Le livre développe donc quelques-uns des motifs d'anxiété de notre époque. L'anxiété se manifeste souvent sous forme de dépendance, d'addiction, parfois sous forme de dépression, d'angoisse. Le livre essaie de considérer ces différents types de défis en présence, donnant quelques conseils pratiques, surtout tirés des Saintes Écritures, précisément pour respecter le sous-titre de l'ouvrage, La liberté émotionnelle, je crois, et réaliser ce que Jésus eut à dire dans Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, non pas une vie médiocre ou une vie au compte-goutte, mais la vie en abondance. Que le Seigneur nous bénisse tous. Dieu te bénisse, Christelle, dans ton ministère. Merci beaucoup. Amen. Merci infiniment d'avoir été avec nous cet après-midi, Dr Fayard. Donc, le titre de son livre, Un cœur tranquille, comment vivre une authentique liberté émotionnelle, qui sera bientôt disponible auprès de notre maison d'édition. Avant de terminer, je veux mentionner que les personnes qui ont suivi notre message ont l'occasion de gagner le livre 52 manières créatives d'élever des enfants heureux. Nous annoncerons les gagnants après ce programme sur messages Instagram et Facebook. Donc, allez sur notre page où vous pourrez trouver votre nom si vous avez gagné. Je veux vous annoncer que notre dernier programme de cette série aura lieu le 22 mai. Nous avons invité la docteure Christine Gila et la docteure Kay Kuzma pour nous parler du matériel idéal pour aider les enfants à connaître Jésus et à l'aimer. Nous vous invitons donc à être avec nous le samedi après-midi 22 mai pour écouter ensemble ce programme. Pour terminer, je vous invite à m'accompagner dans la prière pour conclure ce programme. Prions. Merci Seigneur Jésus pour les familles qui nous ont ouvert leurs portes. Merci de nous donner l'occasion de chercher en toi la sagesse afin de grandir en toi et d'éduquer nos enfants. Bénis chaque foyer et réponds à leurs besoins, quels qu'ils soient, et que tu leur accordes ta puissance de guérison si certains en ont besoin en ce moment. Touche leur vie et leur cœur, Seigneur. Merci, Dieu, de pardonner nos péchés dans ta grande bonté. Au nom de Jésus, Amen.